Allez, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour la troisième partie de l'échantillonnage. Voilà, je pense qu'on a vraiment beaucoup avancé sur le programme, sur cet exercice. Il nous reste plus que cette dernière partie. Cette dernière partie qui nous dit maintenant renvoie à population vieille si les jeunes occupent moins de 50%. Population presque jeune, si les jeunes occupent les 50 à 60%, population jeune, si les jeunes occupent plus de 60%. Donc, en temps normal, si on avait que deux possibilités, deux propositions, on pouvait se limiter à six simplement. Mais avec ici, on peut avoir comme il y a renvoi à population vieille, si les jeunes occupent moins de 50%, ça c'est la première condition. Population presque jeune, si les jeunes occupent les 50 à 60%. 50 et 60. Est-ce que vous attendez un peu? Ici, si les jeunes occupent moins de 50%, c'est catégorique, il n'y a rien à faire. Mais, ils avancent encore, ils disent maintenant, population presque jeune, si les jeunes occupent 50 à 60. Donc, il y a une fourchette qui est là, donc qui fait 50 à 60, donc 50 et 60. Donc là directement il y a la fonction si qui intervient. 50 et 60, et ça va pas se limiter là également. La machine continue. On nous dit maintenant population jeune, si les jeunes occupent plus de 60% de la population, là aussi c'est catégorie, c'est plus de, il y a rien à faire. Mais ça nous fait quand même trois propositions, trois critères. Ça nous fait d'emblée trois critères. On sait déjà que avec trois critères, il est mieux vaut. Avec si tout court sans imbrication, si tout court ne peut pas résoudre, parce que si tout court se limite à deux conditions. Si vrai, si faux. Voilà. Maintenant, trop bavardé, on va attaquer le vif du sujet, on va se placer là. On va dire en premier temps, appeler la fonction égale si, d'accord. Ensuite, et, d'accord. Si E. Si E. Pourcentage qui est là. Pourcentage qui est là est inférieur O égale à 0, point virgule, qui est là inférieur mais inférieur à 50%. Mais inférieur à 50%. Je ferme la parenthèse, point virgule, greffe, population vieille. Population vieille. Si et si deuxième si E 23 population qui est là si E. Est supérieur ou égal à 50%. Est inférieur ou égal à 50%. Point virgule. Mais
inférieur à 60%. Mais inférieur à 60%, point virgule, population presque jaune. Ensuite, point virgule. Ensuite, on dira que si la population, allez résumer, si la population, si E, pourcentage de jeunes, est supérieur ou égal à 0, mais inférieur à 50. Donc de 0 à 50, si la jeunesse occupe une place moins importante que ça dans la population, elle est vieille. Cela veut dire que ce qui se trouve ici est plus supérieur que ce qui se trouve ici. Si E 223 égale 50% et inférieur à 60%, population presque jeune. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ici, on a posé trois conditions. La première question englobe maintenant si pourcentage des jeunes est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est quasi supérieur ou ça commence à partir de 0. Et, mais, qui est inférieur à 50%. Dans ce cas, si cela est vrai, la population est directement vieille. Cela veut dire que ici est plus bas qu'ici. Si E23 égale E23 est quasi, cette fois-ci, quasi supérieur ou pas quasi, mais supérieur ou égal à 50, mais inférieur à 60. Donc ça peut aller jusqu'à 59 voire 60 parce que on dit quasi inférieur à 60, donc c'est 59, 57, etc. Si c'est entre les deux, alors la population est presque jeune. Mais on nous demande maintenant de les envoyer chez eux. Donc je continue et là je mets population pour population jeune. Population jeune. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Une fois. Voilà. Deux fois. Tape sur l'entrée. Population jaune. Voilà, ben écoutez, je suis vraiment fatigué aujourd'hui, donc je ne fais que bailler d'ailleurs. J'espère que le tuto vous a plu et que on va bientôt se revoir pour la formation. Je n'oublie pas de le dire, je ne cesserai pas de le dire. Nous avons une formation le 19 mars, 19 mars 2022, donc sur le logiciel Excel. C'est le seul Excel, Internet, etc. Donc c'est vraiment à 2000 francs, 1, 2, 3. C'est vraiment l'une des occasions à ne vraiment pas rater. Et j'espère de tout cœur vous revoir ce jour-là au centre d'informatique et de communication à Bakodjuroni, dont ils sont partenaires avec l'entreprise Bonzilla. Et également, nous sommes en partenariat également avec MBTV, dont nous saluons vraiment le courage et la détermination de nous accompagner, d'avoir surtout cru en nous et de nous faire confiance. Allez, ben, on se dit à plus tard. Si vous avez des problèmes, des suggestions, des critiques, tout, n'hésitez pas de me les dire en inbox. Si vous avez aimé, n'oubliez pas également de partager, de liker, de partager le lien du groupe avec vous.